Coucou tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. C'est une vidéo bonus, c'est un vlog, pas sur mes vacances, sur un week-end ou quelque chose comme ça, mais en fait c'est un tout petit vlog qui n'est pas super long. C'est en fait, c'est un vlog pour vous montrer la tarte la plus grande du monde qui se passe dans ma ville. Alors je vous ne dirai pas où j'habite. Voilà, parce que pas trop envie qu'on sache où j'habite quand même non plus. Voilà, et en fait, j'avais eu l'idée de vous mettre des photos sur Instagram, mais que tout le monde n'avait pas, tout le monde n'a pas Instagram, hein, voilà, et tout ça. Et ben, j'avais demandé s'ils voulaient que je mette des photos et tout ça. Et j'ai eu 4 oui. Alors, voilà. Et quand j'ai vu que j'avais 4 oui, bon. Voilà, c'est déjà pas mal, 4-8. Et j'avais eu des j'aime, alors je pense que ça devait intéresser des gens. Et ben je me suis dit, je vais faire un petit vlog et tout ça. Alors, je vais essayer de filmer, mais il va y avoir énormément de monde là-haut parce que la tarte est géante. J'ai été voir sur internet hier et en même temps, j'ai été voir le plateau avec mes parents en me promenant dans ma ville. On a été voir la plaque et la plaque est immense. La tarte doit faire 120 mètres carrés. Je vous mettrai le nom quelque part. Voilà, et c'est vraiment énorme. Et vraiment, et si je me souviens bien, c'est l'année dernière ou une année précédente, la tarte du monde faisait 80 mètres carrés. Et là, c'est vraiment énorme quand on a vu la plaque. Alors, sur la plaque, il n'y avait rien. Mais voilà. Et comment dire, ils vont la cuire ben, vraiment dehors. Alors pour vous dire, il fait pas très beau, il y a des nuages. Alors ben, on espère que la gars va pas prendre la flotte, la pauvre tarte. Voilà, parce que j'ai pas encore été. Hein. Voilà. Et alors voilà, et en fait, il va avoir un bois vraiment géant. Ils vont mettre la plaque dessus et tout ça. Ça va être waouh. Et comment dire, cette tarte n'est pas là pour faire une décoration pour ce jour un peu spécial parce qu'en fait, dans ma ville, ils ont décidé de mettre un grand écran pour la finale de la Coupe du Monde, Allemagne-Argentine, si je ne me trompe pas. Voilà. Et aussi, ce soir, on est le 13, mais ça devrait être le 14, et ben, ils vont faire le feu d'artifice. Alors, voilà. Et pourquoi je dis que la tarte est un peu, spéciale? Parce qu'en fait, la personne qui va faire cette tarte avec des bénévoles et tout ça, et ben, il va vendre des morceaux de tarte et l'argent qu'ils vont avoir, et ben, ça va être reversé pour, la recherche contre le cancer. Alors voilà, je trouve ça vraiment sympa. Alors voilà. Alors ma mère a déjà acheté des tickets pour... oui, il faut avoir des tickets. C'est bizarre, oui. Ma mère a déjà acheté des tickets pour qu'on mange un morceau de tarte. Et c'est une tarte à la pêche. Non. La tarte à... on va y arriver, hein. La tarte à la quiche. Voilà. Alors, je pense que c'est des prunes, si je ne me trompe pas. Alors, voilà. Alors, vraiment... Mais je pense que ça va être beaucoup sucré parce que... Et je crois que ma mère elle avait été aussi hier sur internet. Elle a dit qu'il y avait beaucoup de... je l'avais entendu de ma chambre, mais je me souviens plus. Mais il y a beaucoup de sucre. Il va y avoir... je crois qu'il y a 6 tonnes de prunes. Voilà, il y a des bénévoles qui ont dû tout éplucher, si j'ai bien compris, tout ça. Et vraiment, c'est énorme. Alors voilà, je vais arrêter de parler et je vais vous laisser avec les images qui arrivent tout de suite. À tout à l'heure. Parce que en fait... Just me.
just as you are to me. Don't need apologies. Know that you are all worthy. I'll take your bad days with your good. Walk through the storm. Truly free. Will you do the same for me? Yeah. Unconditional, unconditionally, I will love you unconditionally. There is no fear now. Let go and just be free. I will love you unconditionally. Cette vidéo vous aura plu, que les morceaux de vidéo que je vous ai filmé sont nets. J'ai fait avec mon portable et la qualité de mon portable n'est pas méga wow. Hein, voilà, sinon c'était en qualité moyen. Si je mettais en qualité, je suis désolée si c'est flou. Hein. Si c'était en qualité élevée, j'avais pas assez de temps. Si je mettais en qualité moyen, il me restait que 4 minutes. Et si j'avais 8 minutes en qualité moyen. Et si j'avais en qualité élevée, et ben j'avais que 4 minutes. Alors voilà, c'est vraiment pas terrible. Alors voilà, j'ai fait de mon mieux. Bon,
Bon, c'est l'essentiel, vous avez vu la tarte, comment elle est grande et tout ça, c'est déjà ça. C'est une tarte aux prunes, hein, c'est rien d'exceptionnel, c'est pas une tarte aux fraises, hein, voilà. Mais voilà, je l'ai goûtée, elle est très bonne. On a dû attendre vraiment des heures. Elle a été mise au four. Oui, ils ont fait un four comme ça avec du bois et tout ça, ils ont fait un feu. Et ils ont mis le plat de la tarte, ils ont dû prendre une grue. Je crois que je vous l'ai montré un moment dans les morceaux de vidéo que j'ai pris. Et aussi dans les photos, parce que j'ai pris les photos, comme vous avez pu les voir avant. Et alors voilà. Et comment dire, il y a eu une grosse averse, je ne vous le cache pas. Il a plu, il y a eu un déluge au niveau de la pluie. Alors ils ont dû faire des trous dans le couvercle, parce qu'ils ont fait un grand couvercle. Je pense que vous verrez un moment, vous avez vu dans un moment. Et comment dire, ben ils ont dû faire des trous pour que l'eau elle parte, parce que sinon voilà. Aussi j'ai eu du mal à prendre des vidéos parce qu'il y avait beaucoup de monde, comme je pense que vous l'avez vu. Alors voilà, sinon je pense que c'est tout. Et à 23h30, ben il va avoir le feu d'artifice, j'espère qu'il va pas pleuvoir. Alors là je vais pas vous filmer, hein, parce que voilà. Alors voilà, je vous fais des très très gros bisous. J'espère vraiment que cette vidéo un peu spéciale, le vlog, vous a plu et que ben je vous ai fait partager quelque chose, voilà. Et comment dire, j'étais vraiment en hauteur, comme vous avez pu le voir, j'étais vraiment prêt et tout ça. Alors je la voyais super bien. Alors voilà, et vraiment c'était génial. Il y avait de la musique, il y avait des stands, il y avait même un stand avec des élastiques et tout ça, mais j'en ai pas acheté. Mais voilà, c'était vraiment génial, j'ai adoré. Alors voilà. Bon, je vous fais encore des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye !